Salam alaikum, je m'appelle Abou Omar Al-Firansi, je suis âgé de 28 ans, je suis un jeune maghrébin comme la plupart d'entre vous qui a grandi en France. Et donc voilà, je vais vous raconter un peu ce que j'ai vécu ici. Et alors, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, je suis votre frère en Allah, Mohamed. J'étais étudiant en France, je vivais en France donc. J'ai décidé de venir rejoindre les rangs de l'organisation de l'État islamique. Donc, qu'est-ce qui m'a laissé venir ici? C'est comme, je pense, tous les jeunes de notre âge et qui vivent en Europe. C'est une envie spirituelle qui s'est marquée en moi. J'ai voulu dépasser un peu mes limites, chercher mon Seigneur à travers autre chose que simplement la prière, une prière qui n'a pas de saveur. Et un jeune qui n'a pas de saveur non plus, et un peu aussi échappé à ce gouvernement français qui est ségrégationniste, qui est raciste, tout ça. Et donc j'ai rejoint les rangs de l'État islamique. Alors j'ai rejoint les rangs de l'État islamique au mois de juillet, quand ils ont fait l'annonce du Khilafa, 3 jours après. Je me suis retrouvé dans une madrasa. Bon, c'est l'anarchie totale, hein, bien sûr, hein, pas d'organisation. Après, je suis resté 2 semaines dans la Madafa. Après, j'ai fait 2 semaines de ce qu'on appelle Maaskar Shahi, c'est-à-dire c'est une formation légale pour vous mettre au niveau de donc, ce qui est religion, croyance, dogme. Après 2 semaines de formation militaire, pseudo-militaire, hein, bien sûr, parce que c'est pas une vraie formation militaire. Après cela, on nous a envoyés à la bataille de Zoumar, à la bataille de Zoumar, à la bataille de Guerver, à la bataille de Rabia. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, la façon dont on vous traite comme un chien. Vous n'êtes rien d'autre qu'un soldat. C'est-à-dire que ce n'est pas une organisation islamique au sens propre où tout est islamique du début à la fin. Ce sont seulement les membres qui sont revendiqués musulmans, et pour ce qui est des institutions, de la pratique, ça n'a rien à voir. Ce sont plutôt la pratique des anciens régimes baathistes. C'est comme ça qu'on vous traite. On vous traite comme un chien. Vous n'êtes qu'un soldat, vous devez obéir. Vous avez fait l'allégeance, la bay'a, donc vous devez obéir de A à Z. Et vous n'avez rien à dire. On nous a envoyé bien sûr au combat au Tartare, hein, sans aucune formation, avec un armement léger face aux avions américains et britanniques qui bombardaient à l'époque, et face à l'armée des Peshmerga qui était surarmée, bien équipée, bien formée. 150 personnes sont mortes, 150 de nos frères sont morts. Bien sûr pour rien, puisque après nous avons réussi, avec la permission d'Allah, à remporter la bataille, mais comme c'était une zone kurde et qui n'était pas dans l'intérêt des dirigeants de l'EI, nous avons rebroussé chemin. Ce qui les intéresse, c'est seulement les régions sunnites. Ça a été pareil pour Guelveh, ça a été pareil pour Rabia. Tout ce qui n'est pas arabe et sunnite, ça ne les intéresse pas. Ils sont dans une démarche, ils sont dans une marche complètement nationaliste, rien à voir avec ce pourquoi on est venu. Donc en fait, on meurt pour rien. Après, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai été dégoûté de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu vivre en Irak. Je suis parti en Syrie. En Syrie, c'est un peu plus détendu, mais c'est à peu près, ça finit par être la même chose que l'Irak. J'ai travaillé dans la police islamique, alors qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a aucune institution qui est véritablement une institution, ce ne sont que des vitrines. Moi, par exemple, dans mon expérience pour la police, c'était les services secrets de l'EI qui nous informaient qu'un tel était un trafiquant de drogue ou un tel était un trafiquant de cigarettes ou de je ne sais quoi. On devait aller l'intercepter, interpeller. Et il n'y a aucun travail de recherche, d'archivage, de traitement, il n'y a aucune police, encore moins islamique, parce que ceux avec qui j'étais, qui sont des Ansar, faisaient ce qu'ils interdisaient aux autres. Après,
J'ai quitté Daoula, j'ai cherché une route pendant 1 an et demi. Daoula nous a interdit de sortir, bien sûr. Une fois que la coalition s'est mise à la bombarder, s'est à bombarder et qu'elle a compris qu'elle ne pouvait pas faire face, elle s'est mise à fermer les frontières, à interdire aux gens de sortir. Les gens comme moi, les Mouhajirs, bien sûr, c'est pour servir de chair à canon. Et pour ce qui est des civils, c'est pour servir de protection, parce que si ils ne sont pas là, les avions, ça serait encore plus facile pour les avions. D'ailleurs, ils ferment des routes et ils t'obligent à prendre des routes qu'eux utilisent pour que les avions ne les bombardent pas. À la base, on était censé venir ici protéger le peuple syrien. On s'est mis à l'utiliser comme protection. Et donc voilà, et pour tout ce qui est, pour ceux qui croient encore que c'est un État islamique pour projet politique, Daoula n'a aucun projet politique à long terme. À moyen terme, la seule chose qu'elle a su faire, c'est pervertir, corrompre les tribus qui lui tournent le dos à la première occasion. À court terme, il n'y a absolument rien du tout, donc une politique qui est faite. La vie n'est pas vivable ici. C'est-à-dire que le pain n'est pas assuré. Daoula laisse les commerçants à leur aise faire augmenter les prix. La sécurité, il n'y a aucune sécurité. C'est-à-dire que tu peux habiter dans n'importe quel village ou être sur n'importe quelle route et te prendre un missile parce que devant toi, il y a la voiture d'un dirigeant. L'éducation, il n'y a aucune éducation. Aucune éducation. Les gens, les civils ici, personne ne veut envoyer ses enfants dans les écoles de Daoula parce que soit ils sont bombardés, soit parce que le programme est subjectif. Quant à ce qui est économique, alors celui qui veut commercer, ce sont les codes de Daoula. Si par exemple tu veux vendre du fuel, tu n'as pas le droit d'aller acheter du fuel moins cher ailleurs. Tu es obligé d'acheter le fuel ici. Aucune perspective de vie, ni économique, ni sociale. Pour ce qui est de la paix sociale, il n'y en a aucune. Il n'y a pas de justice, c'est la loi du plus fort, c'est-à-dire l'Irakien, au niveau de la loi, est au-dessus de tout le monde. Après, ce sont les émirs qui sont au-dessus de tout le monde. Après, c'est l'homme qui est au-dessus de la femme. Et après, c'est le musulman qui est au-dessus de l'esclave. Il n'y a aucune justice. C'est les émirs qui décident. Pour exemple, je vais vous donner la fois où j'ai été emprisonné parce que j'ai tenté de sortir. Il y avait un juge. Et un émir, et le juge est à côté, et c'est l'émir qui décidait, et le juge n'a pas une fois dit un mot, ne s'est pas opposé une fois à ce que l'émir disait. Pour ce qui est des muhajiroun, vous êtes de la chair à canon, vos femmes, on cherche à les avoir quand vous êtes même encore en vie, avant même pas que vous mouriez. Sachez aussi que si vous mourrez, il y a une loi qui dit que votre femme doit aller pendant 1 an en madafa, c'est-à-dire en internat, et au bout de 1 an, elle est obligée de se marier, c'est-à-dire c'est une espèce de viol légal en fait. Voilà. Et quoi d'autre? Sur quoi d'autre je peux vous aiguiller. En tout cas, moi je vous déconseille. Je vous déconseille. J'ai jamais vécu l'humiliation, l'injustice, la ségrégation de toute ma vie comme je l'ai vécu à Daoula. C'est une entreprise tribale irakienne, c'est des gens qui roulent pour eux-mêmes. C'est comme l'Afghanistan, c'est exactement la même chose. C'est du copier-coller. Comme les Afghans, eux, roulaient pour eux-mêmes, leur tribu, leur tradition. Et à la fin, nous, les Mouhajirs, on s'est retrouvés un peu dans les roses à se battre contre ces talibans qu'on aidait. Bah, c'est pareil ici en Irak, c'est exactement la même chose. Vous n'avez aucun intérêt à venir ici, restez chez vous, pratiquez votre religion, faites la da'wah là où vous êtes. Et donc voilà. Salam alaikum.